Bonjour YouTube, bonjour Clément de la VOD, bienvenue sur ce second stream de Going Under. On va continuer à péter le capitalisme et la start-up. Et voilà, abonnez-vous. Chut la musique, chut. Voilà. Oui, Danny Boyle, c'est celui qui a fait Slumdog Millionaire. Et je veux dire que Slumdog Millionaire, c'est un de ses films que j'aime le moins. Ah putain, cette musique m'avait manqué. Et cette caméra qui bouge trop vite aussi. Bon alors, ça dit quoi? Oh putain, attendez. Attendez, j'ai un petit souci de manette à nouveau, comme la dernière fois. Voilà. Il a fait 28 jours plus tard, surtout. Aussi, j'ai pas envie de dire surtout, parce qu'en vrai, j'aime vraiment la majorité de ses films. C'est mon réel préféré. Hein. Il a fait Sunshine, il a fait Trends, il a fait La Plage, oui, j'aime La Plage. Du prochain jeu des développeurs. Bah moi c'est le teasing sur ce jeu là qui m'a donné envie de me lancer sur Going Under. Donc Going Under me fait envie depuis longtemps. Et voilà. Ah oui, faut que je me rappelle des voix du coup. Faut que je me trompe. Yo Evi, qui a pondu cette brillante idée de mettre une IA à la tête du marketing? Tous les produits appartenant au groupe Lacalican sont fièrement promus par votre plus dévouée représentante, moi-même. Oui, ça je sais, mais pourquoi? Sous ma supervision, nous faisons en sorte que la voix de Cubicle soit toujours inclusive et accueillante. C'est pas la voix habituelle. C'est pas la voix la dernière fois. Attendez, faut que je change l'effet. Oui, c'est à la GoXLR, oui. Oui, je sais pas faire ça avec ma voix naturellement. Je suis le robot. Je suis... Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est très bien. Je suis le robot. Oui, le robot. Ah oui, je lui avais fait une voix sexy. Bonjour. Oui. Je suis l'IA de Cubicle. Et non, je ne suis pas un robot IRL. Je ne sais pas faire cela avec ma voix. Sous ma supervision, nous faisons en sorte que la voix de Cubicle soit toujours inclusive et accueillante. Je n'écarte jamais du message clé que veut faire passer l'entreprise, comme un humain ou un stagiaire pourrait le faire. Je n'y crois pas. Les gens savent reconnaître quand quelque chose a été écrit par un robot. C'est pas du tout pareil. C'est exact. Les données montrent que les consommateurs préfèrent mon intonation à celle d'un humain. À plus de 40% de la moyenne. J'ai bien fait de la changer du coup. Alors, oui. Ça avance avec tes démons, avec ces démons? Pas vraiment. Tout est en feu là-bas. Je pourrais pas avoir une combi spéciale ou autre? Ne sois pas ridicule, Jackie. Le budget est déjà assez serré comme ça. Essaie de penser un peu aux autres employés de cette entreprise. Nous avons tous des problèmes à gérer. Bonne idée, Marv. Je vais tuer ces démons en étant plus altruiste. Alors elle, c'est celle où j'ai le plus de mal avec sa voix, parce que je ne modifie pas ma voix. Je dois le faire dans mon jeu d'actrice. Oh la vache, les ordi portables, ça craint à mort! Ah oui? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Enfin, j'ai pas encore pu m'en racheter un depuis que celui que j'avais à la fac a rendu l'âme, mais... C'est justement là que je voulais en venir. Je sais qu'ils le font exprès, non? Tout ton bateau s'est programmé pour cramer au bout de 2-3 ans, pour que tu continues à consommer. Et le nouveau modèle qui sort chaque année, qu'ils veulent te vendre, est bourré de logiciels qui pompent encore plus que ceux d'avant. Tu sais quoi? Ça m'a énervé. Descends dans le donjon et explose tous les ordinateurs que tu vois, comme ça je me calmerai par procuration. Maintenant,
apprend que tu as du fizzle entre les mains. Si nous testions son efficacité sur les malheureux habitants du sous-sol. Une minute, le fizzle est fait pour être une arme? Je pensais que c'était un effet secondaire. Les propriétés agressives de la gazéification du fizzle sont loin d'être intentionnelles. Mais même les arômes accidentels se heurtent des arômes. Les erreurs sont le doux nectar de la fleur de la création. Je suis un créatif et donc mes réponses sont bizarres. Nous pourrions en profiter pour voir quel est le vrai potentiel de combat de ces petits garnements. D'ailleurs, tu savais que le jeu avait une mécanique roguelike encore plus. Quoi? Encore plus quoi? Salut Tapis. T'as une nouvelle mission pour moi? Je m'inquiète pour toi, Jackie. Tu reviens tout le temps couverte de bleu et d'égratignures. Marv te fait déplacer des gros cartons, quoi. Quelque chose dans le genre. Essaie de prendre soin de toi, ma belle. La prochaine fois que Marv te donnera un truc à faire, essaie de ne pas te blesser. Tiens, voilà une bonne idée. Tes articulations te remercieront un jour. C'est bien, ça me remet dans les voies un peu. Ah. Le grand maître. Ré, vous avez entendu parler de Winky Dink? Oh, tu parles! J'étais super pote avec leur fondateur. Ce type-là sait ce que fait. Ce que. Ah, ce type-là sait ce que c'est que de faire la fête. Sans rire. Oh, sans rire. Vous pouvez me parler de lui? C'est un génie des relations. Il comprend parfaitement ce que recherchent les gens dans une appli. Quand il m'a dit qu'il allait monter une start-up de rencontres, je savais qu'il allait tout déchirer. Et ça n'a pas mis bien longtemps avant que Cubicle le rachète, comme ton humble serviteur. Est-ce qu'il a des... faiblesses? Genre des défauts de personnalité? Oui, ou même des faiblesses physiques. Peut-être même des points faibles, en surbrillance, ou un truc comme ça. Vous savez quoi? Laissez tomber. Tapis, je l'aime. Ouf. Je trouve que c'est un peu une grosse pain-bêche. Hein. J'aime pas grand monde dans les personnages du jeu. Qui c'est la plus belle employée de Fizzle? C'est qui? Ouf. C'est toi! Même éclair, oui, mais éclair, je l'aime, oui, mais c'est un chien, quoi. Alors baby, on joue les bourreaux des cœurs chez Winky Dink, il paraît. Je suis pas trop sûr de la formulation, mais on peut dire ça comme ça, j'imagine. J'avais plein de copines qui pécho beaucoup sur cette appli avant. Je me suis souvent demandé ce qui lui était arrivé. Quoi? Et en fait, la boîte a coulé, ils se sont tous transformés en démons sapés comme des chaudasses. C'est ouf. Ouais, monde de dingue. La pied comptable, c'est une garce. Bien résumé, Mahogany. En vrai, j'aime bien Jackie, j'aime bien Jania et Claire. Et c'est tout. Les autres sont tous des sacs à merde. Je travaille dans la finance, le juridique. Je sais de quoi je parle. Je te fais confiance, Marie. Thank you.
d'esprit ouvert, chance de critique plus grande que... Parce que vous ne visez pas. Mais Tapi a littéralement un dialogue qui dit « Une femme qui cherche une autre femme sur une appli de rencontre classique, c'est perdu d'avance en général. » Ouais, mais ça en fait pas quelqu'un de bien. Plus l'air d'aller mal que d'être hautaine, je trouve. Je sais pas, elle vient quand même de nous faire la remarque « Tu ferais bien de prendre soin de toi, machin, t'es dégueulasse. » Regardez-moi ça. De la viande fraîche. Le bureau de Wingeding se traite bien jusqu'ici, Trésor. Cet endroit ne ressemble même pas à un bureau. Tout ici me met extrêmement mal à l'aise. Oui, ça fait souvent cet effet. Mais un bon conseil, Trésor, ne t'avise pas de critiquer les choix esthétiques du boss. Ou tu serais à la rue avant d'avoir pu next day. Ah oui, le boss. Je suis censé trouver Steve. Tu veux parler au boss? Ça, c'est nouveau, tiens. Continue de descendre dans les étages et tu devrais finir par le sentir. Mais ne viens pas te dire que je t'avais pas prévenu. Faut garder ton sang-froid, Trésor. Tapi s'est réjoui au départ que Jackie était mal payé. Était pas payé, c'est mal. Prou. Elle est vraiment vautrée sur son bar. Ah oui, j'ai plus le CEO, donc je peux plus acheter à crédit. Un joueur de LoL ou un joueur de Smash. Peut-être c'est lui, Sardoche, finalement. Vous avez reçu un wink. Ah... Oh, putain. Non! Your order has been delivered. Faut pas que je me force à prendre les armes plus faibles d'abord. On n'est pas obligé. Viens là! Oui, c'est ça, il y en a partout des armes, il faut les utiliser. Je suis d'accord. C'est juste un réflexe à prendre. Comme dans les derniers Zelda, oui. Oui.
Dans les derniers soldats, pour le coup, j'ai tendance à vraiment utiliser que les plus faibles et ça m'embête pas trop. Alors que là, ça me met vraiment dans la merde. Enculé. Ah ! J'aimerais bien survivre. Merde. Ok, les ordi, ça a été comptabilisé, tant mieux. Tout le monde veut parler encore? Yo Avi, comment sera la météo aujourd'hui? Démarrage! Et enfin, démarrage de l'assistante intelligente. Les prévisions annoncent qu'il y a 110% de chances qu'il pleuve ce soir. Sérieux? Mais on n'a pas un nuage à l'horizon? Le temps est capricieux, Anéo Cascadia. N'oubliez jamais votre parapluie. Je m'en souviendrai. Hey, voilà la petite rockstar. Comment ça se passe? Tu apprends les ficelles du métier? En fait, je me fais plutôt défoncer par des gobelins. Y a pas de honte à ça? Moi aussi, j'aime bien me faire défoncer par des gobelins de temps en temps. C'est mon petit côté un peu kinky, quoi. Je suis un peu bicurieux. Certains des plus grands esprits dans l'histoire de l'entrepreneuriat ont commencé en nettoyant des donjons. Comme qui? Eh ben, tu sais, ils sont là, parmi nous. Le genre de personnage aux cheveux blancs, en pointe, avec des grosses épées et des runes magiques ou je ne sais quoi. Ils ont commencé comme modestes villageois ou prisonniers condamnés ou autres. Il n'y en a rien dedans, les voilà vice-présidents de la guilde des mages avec une joyeuse bande de partisans derrière eux. Oh, qu'est-ce qui pue comme ça? Faudrait mettre du déo un peu. Ça arrive tous les jours, non? Je sais pas du tout de quoi vous parlez. Ils vont te parler à chaque fois jusqu'à ce que tu aies complété leur histoire, mais en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Écoute, j'aime bien leurs histoires. Partout les arômes, Jacqueline! Tu empestes le sulfure et les produits d'entretien! Qu'est-ce que Marvin te fait faire au juste? Oh, tu sais, des combats contre des monstres démoniaques. Il paraît que c'est classique pour les stagiaires d'ici. Fais attention quand tu t'aventures dans des endroits comme ça, Jacqueline! Passer trop de temps à baigner dans les arômes infects, ça peut souiller tes papilles. Je le sais que trop bien. Je retends l'autotune. Nous devons tous combattre des monstres de temps à autre. Mais si nous ne faisons pas attention, nous devenons nous-mêmes des monstres, j'imagine. Ne t'en fais pas pour moi, ferme. Va aller. Salut, Jackie! Oh, t'es sûr que ça va, Tapi? Je vais bien! Je vais super bien! Depuis que ce truc à café a été installé près de la fontaine à eau, je ne tiens littéralement plus en place! Je n'ai plus peur du crash! Je peux tout rattraper! Tapi, tu me fais un peu peur. Alors, Marv t'a envoyé fouiner dans les bureaux de Winky Dink. Ouais, c'est un beau bazar là-dessous. Ça peut pas être pire que d'utiliser leur appli. Tous les mecs que j'ai rencontrés dessus étaient démoniaques. Et les filles, pas une qui m'a répondu. Oh,
Je suis désolé, Kara. C'est pas grave, ça. Les rencontres, c'est pas le but ultime de l'existence. J'investis mon énergie émotionnelle dans des activités plus fructueuses, comme être propriétaire d'un chien. Ok. Ah oui, j'avais pris tapis pour gagner plus de thunes. Oui, c'est vrai, j'avais pas parlé au chien. J'avais pas non plus parlé au barista. Je suis insupportable et tout le monde m'aime. Mon dieu, violent. Mon dieu. Enjoy your cube. Ça prendra à être mignon, sale merde. Jacqueline. C'est moi, Jacqueline. Est-ce que... J'ai croisé un magasin déjà. Oui. Thank you.
Ça organise un peu de départ ici. Cubicle has your back. Bonjour Alzagone, depuis l'appart de Clément de la VOD, tu pourras dire bonjour à Clément de la VOD du coup. Et bonjour Claire, depuis le bureau, décidément. Je suis chez les démons kinky. Ah putain, on peut pas retourner en arrière, merde! Je vais encore crever là. J'espère que vous allez bien les nouveaux arrivants. Je sais même pas si Clément continue de regarder les VOD en vrai. Je le salue toujours au début de stream, mais je sais même pas s'il continue. J'ai roulé! La main à la porte! Buvez, hydratez-vous! Yo baby! C'est éclat dans ces donjons, pas vrai? Je pense pas que c'est le mot que j'emploierais, même si je les éclate vraiment. Peut-être que tu les appréhendes pas de la bonne manière. Tu récupères les trucs gratuits dans les cafés. Gratuit ? Rien de gratuit dans ces cafés. Quoi ? Ne me dis pas que tu payes leurs trucs comme un nounou. J'ai une technique spéciale pour avoir des trucs gratuits. J'appelle ça pas vu, pas pris. En gros, voler. Tu les voles. C'est plus nuancé que ça, baby. La prochaine fois que t'iras dans le donjon, fais-moi signe et je te montrerai comment faire. J'avais envie de jouer à ce jeu, je connaissais pas. Mais je t'invite à y jouer, c'est vraiment bien. Dans le truc, là, tu peux choisir ce que tu veux affronter, si je me souviens bien. Son pouvoir à lui est fort. Ah, c'est pas mal, je vais m'équiper de lui, tiens. Bon, du coup, il a une nouvelle quête. On peut pas faire caca dans le jeu. On peut pas faire caca. Salut baby. Je parie que ça devient la sens donjon, hein. Étonnamment, non, pas encore. On dirait que ça change à chaque fois que j'y vais. C'est vrai, même le hasard ne va pas t'emmener bien loin. Une fois que tu as vu un certain nombre de possibilités, même des circonstances techniquement différentes peuvent devenir similaires et ennuyeuses. Contrairement à moi qui suis passionnant. Quand tu as fait une pièce remplie de types armés de lances, tu les as toutes faites. Tu me suis. En tout cas, j'ai une idée sympa que tu pourrais tester là-bas, en bas. Et c'est donc Baby. Roule sur une voiture avec ta voiture. Je l'ai déjà fait, ça! Let's go! Et c'est parti! Je sais pas faire, Todd. Zoé, elle le fait super bien.
Ah mince, les voitures sont que à Jablin. Oh, c'est pas grave, on ira à Jablin. Si ce n'est que ça. J'adore ces gros bras là. Non, il y a pas de frame d'invincibilité quand on roule. C'est chaud. Regardez-moi, je suis la pâte aux gens dans la sauce mayo pimentée. C'est violent, mec. Devinez quoi, tout le monde? C'est l'heure de la surprise partie! C'est ma première surprise partie! Wow. Bonsoir, Lunafoy! Bienvenue! Vous êtes dans les options d'accessibilité. Je sais pas. On va voir. Arrêtez tout ce que vous étiez en train de faire et rendez-vous au Fizzle Café sur le champ. C'est un ordre festif qui vient de tout en haut. Le dernier arrivé est un emoji vomi. Allez, la troupe, on se bouge. Ah, génial. Et moi qui pensais qu'on allait être productif aujourd'hui, me voilà rassuré. Une fête? Oh non, 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 pas ça. On n'a pas le budget pour organiser une fête, genre... pas du tout. J'espère que Ray n'a rien acheté de trop. Déjanté. On va s'éclater les loustiques. C'est la boîte qui régale, lâchez-vous. Oh yeah. Bon, autant faire avec. Santé les mecs. Non, c'est trop vieux. Raymond ! C'est quoi ça ? Tu aimes les sculptures de glace ? Je l'ai fait sur mesure, poupée. Je m'en doutais, oui. Mais combien elle a coûté ? On s'en fiche. Qui a encore le reçu de nos jours? Pas ça que ça sert les relevés de cartes. Hey, on a déjà dépassé le budget et de loin! Vous m'aviez promis pas de gros achats tant qu'on n'avait pas atteint nos objectifs! Comment je suis censée gérer les finances de la boîte si vous n'arrivez jamais à maîtriser vos dépenses? Écoute, je sais que le boulot sur notre produit n'a pas été tout repos ces derniers temps. Mais ça fait une raison de plus de se détendre. Oh, excusez-moi, je vais pas essayer la fatigue, je suis vraiment surmené, je travaille beaucoup trop. Ça fait une raison de plus de se détendre, je disais, et de s'amuser un peu. Tu gères un max quand t'es relax, ou un truc du genre. Tu avais dit quoi l'autre fois, Marv? J'abandonne. Dépensez tout et achetez 5 autres sculptures de glace si ça vous chante. Vous ne m'écoutez jamais, de toute façon, donc autant ne plus rien dire du tout. C'est ce que tout le monde veut ici, hein. Tapis. Hé,
elle va revenir. C'est ce qui arrive quand un esprit fermé rencontre un esprit novateur. Pas vrai, Morf? Raison. On va essayer de s'amuser un peu tous ensemble. Fun fact, Ray et Marv, je les joue exactement pareil. Je trouve bien déprimé pour quelqu'un qui vient de se voir ouvrir une pause détente en pleine journée. Tu t'inquiètes pour ta pie, c'est ça? J'ai pas envie d'en parler. Je suis ton chef de projet, Jackie. Pardon, je baille cette surmenage, je travaille beaucoup trop. C'est mon job de m'assurer que tu passes un bon moment. Pourquoi vous n'allez pas voir Tapi alors? Parce que c'est aussi mon job de ne pas marcher sur les plates-bandes du PDG. Cette petite fête, s'il te plaît, Rockstar. Vous ne comptez pas discuter avec Tapi? Elle a l'air vraiment en colère. Écoute, ma petite, je t'aime bien. Mais tu sais pas ce que c'est que gérer une entreprise. Un patron, c'est comme un parent. Et les bons parents ne récompensent pas les caca nerveux. Tapi n'aurait jamais dû se payer ma tête devant toute l'équipe, et elle le sait très bien. Allez, petite, arrête de t'inquiéter pour elle. C'est jamais bon de prendre le stress des autres sur soi. J'ai entendu ça dans un podcast plein de sagesse, pas plus tard que ce matin. Il n'a pas toujours été comme ça, Ray, tu sais. Comme ça quoi? Égocentrique, sans la moindre considération pour les sentiments des autres. Quand on a créé Faison, les arômes, c'était vraiment important pour lui. J'ai les larmes aux yeux, je suis ému. C'est sans doute la pluie. Quoi? T'es cofondateur de Faison? Arrête, Franck. Jackie, on le savait déjà, ça. Il nous l'a dit au début. Exact. On ne dirait pas quand on me voit aujourd'hui. J'ai laissé Ray endosser le rôle de PDG pour pouvoir me concentrer sur les arômes, car je suis un créatif. C'était peut-être ma pire erreur, ou alors c'est justement ce qui m'a évité de finir comme lui. Je pleure. C'est vrai que tes arômes, c'est tout pour toi. C'est ce qu'il signifie bien plus. C'est qu'il signifie bien plus que le simple goût de nos produits, tu vois. Les arômes sont les vecteurs qui définissent toutes les expériences de la vie. Je suis un créatif et donc ce que je dis n'a aucun sens. Une boisson, une relation, une équipe, chacune a une saveur unique. Ça rime presque, donc c'est presque vrai. Chaque individu y ajoute ses notes subtiles mais bien distinctes. En ce moment, les notes de Fizzle sont conflictuelles. Trop d'amertume, trop de sel. Si un des ingrédients manque, notre recette est vouée à l'échec. C'est bien, ça fait travailler un peu la voix aussi. Les dialogues sont hilarants. Oui, oui, c'est un jeu très drôle. Je pense quand même qu'il a toujours été de droite au fond de lui. Typical start-upper. Yo baby, tu veux tester la nouvelle boisson que je viens de créer? J'ai repris tous les arômes de Fizzle plus un soupçon de jus de confiance de Winky Dink. Kara a goûté. Pardon, je baille, je suis fatigué, c'est toute cette drogue que je fume. Kara a goûté, je disais, et trouve ça plutôt dans la moyenne haute de mes habitudes. C'est ce qu'elle a dit. Je crois que quelqu'un devrait aller parler à Tapi. Vas-y, toi. Moi, j'ose pas lui parler quand elle est dans un mauvais jour. J'ai toujours l'impression qu'elle a envie de planter quelqu'un avec une punaise. Oh, oui. Ben, je l'ai pas attendu pour ça. MDR, c'est pas faux. Trop marrant. J'avais parlé comme ça depuis... longtemps.
fait du bien. Ça me tue de passer 10 heures par jour à bosser sur cette foutue appli. Personne ne s'inquiète plus que ça au sujet de tapis, on dirait. Tu sais, Jackie, je bosse avec elle depuis assez longtemps pour savoir que ce n'est pas en rentrant dans son petit jeu qu'on va l'aider à se sentir mieux. Je baille, pardon, c'est le surmenage et le complot franc-maçonnique qui nous vise. En plus, je me fais rembarrer par Marv, comme ça presque tous les jours. Tu crois que quelqu'un viendrait me réconforter? Non, parce que Kara, elle est trop forte et pas sensible. Alors elle peut tout encaisser sans sourciller, tu vois le genre. Désolé Kara, j'avais pas réalisé que c'est bon, Jackie, vraiment. Je suis pas là pour écouter ses lamentations, c'est tout. Je suis pas son ami, je ne considère volontairement pas mes collègues comme des amis. Ça m'évite bien des déceptions. Arrête de te prendre la tête, d'accord? Bois un coup et profite de ce moment sympa. On en a fait tous les jours. Ouh. Pardon les amis, je baille, c'est... parce que je suis fatigué. Ta gueule! C'est pas moi! Jackie, tu trouves que je suis une cruche? Mais dis tout, Tapi. Personne te prend pour une cruche. C'est gentil. Mais je sais bien que c'est pas sincère. J'entends la façon dont vous parlez de moi. Genre, je suis une gamine incapable de penser par elle-même. Mais cette histoire de budget, c'est la faute de Ray, pas la tienne. Non, je sais. Depuis que je suis là, je fais tout pour essayer de satisfaire monsieur. Mais il me traite toujours comme une moins que rien devant toute l'équipe. C'est systématique, Jay. Tu vois bien comment ça se passe. Que tu bosses dans la compta, le codage, ou je ne sais trop quoi que fait ferme. Tes supérieurs trouveront toujours un moyen d'invalider ton travail. Il doit bien y avoir un moyen... Il doit bien y avoir quelque chose à faire, je sais pas. Pour essayer de parler à Marv. Tu sais pas ce que... Tu sais bien que ça marchera pas comme ça. Laisse-moi tranquille, tu veux bien. Je vais fixer mon écran encore pour... Je vais fixer mon écran encore pendant 2 heures et rentrer parler à mon chat. Et demain, quand je verrai Ray, je ferai l'air de rien. Je lui ferai un grand sourire en le complimentant sur son look. Parce que c'est ça, mon job, en fait. Tapi, je... Laisse-moi tranquille. Oui, bah toi, au moins, t'es payé, connasse. Si, j'ai un cœur, mais elle non plus en a pas dans ce cas. Si moi j'ai pas de cœur, elle en a pas plus. Hein. En plus, on a établi dans le vidéo club sur Incendie que j'étais une des rares personnes de l'équipe à avoir un cœur, justement.
Oh, la main collante, je suis fan. Oh merde! Bon, de toute façon, j'ai pas de voiture à écraser. Une boîte. Une boîte cubicle. Let's go, c'est ce que je voulais. Merci Marie, je t'aime pas mais là t'as servi. Loves you. C'est le truc, si tu fais la croix, ça te propose un autre match et tu peux choisir l'adversaire. L'utiliser, c'est que tu te fais pas toucher. Si tu te fais pas toucher, l'ennemi devient ton allié. Ah, mais ils sont durs à battre. Je vois, c'est un ennemi avec une grosse barre de vie qui spawn des petits. Ok. Non.
Je les aime pas, celles-là. Je dois avouer que je suis curieux de voir quels nouveaux arômes nous pourrions trouver dans ces enchants. J'ai toujours voulu y descendre moi-même, mais je n'ai jamais trouvé le courage de le faire. Attends, ça fait combien de temps que ces monstres sont là exactement? Avant même que Cubicle ne fournisse ses locaux, ils ont commencé à nous harceler dès qu'on a mis les pieds ici. Marvin ne t'a pas expliqué. Oh, la situation. Pardon, je baille car je suis un créatif et donc je dors 2 heures par nuit. Et si on se mettait au boulot? Oui, bien sûr, j'aimerais que tu essaies de voir si tu peux améliorer le goût d'un sandwich industriel Jablin. Tu vas peut-être devoir recourir à des méthodes de cuisson non conventionnelles, mais je crois en toi. Fais-le pour les arômes. Salut Malou Goes Live, bienvenue, je vois que c'est ton premier message dans le chat et je te souhaite donc la bienvenue, bien sûr, fais comme chez toi. Ça me fait toujours plaisir quand il y a des nouvelles personnes. Le gars il a rien expliqué, il a dit va taper des monstres gratuitement. Ouais, et je pense que l'histoire des sandwichs c'est juste histoire, il faut juste les faire cramer quoi. La stagiaire. Les monstres arrêtent pas de remonter des sous-sols pour mâchouiller mes câbles d'alim. Je veux que tu leur donnes une bonne leçon, en l'occurrence qu'on ne joue pas avec l'électricité. Et comment tu veux que je m'y prenne? Les chiottes elles sont payantes dans le jeu. Je vais te montrer. Exploseur quelques appareils sur la tête et électrocute-les, ça devrait leur faire comprendre. Les chiottes sont-elles payantes dans ce jeu? Eh bien en tant que stagiaire on n'a pas les clés des chiottes, on ne fait pas caca, on ne peut pas y aller. Ou alors on peut interpréter le truc en, comme on n'est pas payé, on n'a pas accès aux chiottes payantes. Donc, en tout cas, elles sont, y a une obstruction dans les toilettes. Une obstruction. Dans les toilettes. Aline parle jamais au chien. Tu déconnes, je l'ai fait tout à l'heure. C'est juste que il se passe vraiment rien dans les conversations avec le chien, quoi. C'est juste Jackie qui parle au chien et le chien qui dit waf. J'ai connu plus palpitant. Si tu vois ce que je veux dire. On parlait de cœur tout à l'heure, le palpitant. Tout est lié. Je suis très intelligente. Je suis extrêmement intelligente, vous savez. J'ai un QI de 800 000. Eh ouais, véridique. C'est réel. C'est le colonel réel. En vrai, au bout d'un moment, tu gagnes un truc. Bon, d'accord, j'ai compris. C'est une smart ramette de papier. Gros QI, tu vas voir mon gros QI. Ah. Vas-y, je connais pas. Ah bah si. Mais putain!
Remember to leave a rating. Putain, la dramette de papier, j'aurais pu l'activer. Ah, le crâne, je peux. Cross de hockey, c'est comme le double fuck de Caris. Les objets Wi-Fi, ils sont à tête chercheuse quand tu les envoies. Ok. Vraiment Celtica PGM, que ce soit dans Pokémon ou dans Going Under, quoi. Bravo à toi, merci. Merci pour ton aide. J'ai l'impression de backseat beaucoup d'être un sup. Non, non, non. Vraiment, ça m'aide, hein, c'est bien. Vraiment, je découvre le jeu, je le connais pas, et il y a beaucoup de mécaniques que je comprends pas forcément, donc... Non, je suis contente que tu fasses ça. Comme sur Pokémon. Sur Pokémon, je te demandais carrément, des fois. Non, non, il y a aucun problème, hein, vraiment. T'inquiète pas. Si ça me gênait, je le dirais. Ne t'en fais pas. Vous êtes assez peu nombreux pour que le backseat soit gérable et tolérable. En fait, c'est ça aussi. Et puis tu donnes des infos que tu vois bien que j'ai pas. C'est pas comme si tu me disais « Tu devrais faire ça, ce serait mieux si tu faisais ça. » Ça, c'est du backseat pour moi. Et c'est pas ce que tu fais. Après ça dépend des gens, il y en a qui aiment avoir aucune info. Oui, c'est vrai. Bah après, enfin, c'est un peu un jeu à la con, tu vois, je m'énerverais pas pour ça. Ok. Choupette. Ouaf ouaf. Taki, je t'aime bien et tout, mais si tu appelles encore une fois ma chienne Choupette, je te jure, j'appelle les flics. Les pets ? Me booste pas, beau Jackie. Bon chien ? J'ai le doigt sur le bouton. Chien ? Cri du seum. Un peu ? Je suis pas encore allé voir Stixcoin. Est-ce que je vais voir Stixcoin ? Non, non, non. J'aime pas commencer le suivant alors que j'ai pas fini le précédent. On va y arriver, hein. Ça avait été un peu progressif aussi sur Jublin. On va y arriver.
mon âme se crie quand on a perdu le Nuzlocke de Pokémon Argent. Ne me rappelle pas ce souvenir douloureux, s'il te plaît. C'était si dur. J'ai beaucoup souffert de cet échec. Je m'attendais pas... En vrai, le Nuzlocke sur Pokémon Soul Silver, je m'attendais pas à le gagner. Mais je m'attendais pas à le perdre aussitôt. Je vous cache pas que j'étais pas parti en me disant « Ok, j'ai de fortes chances de perdre sur cet épisode-là, quoi. » Non, t'inquiète pas. Toujours prendre persévérance. Rêve. Si j'ai 40 d'ici la fin de l'étage, je reviens, mais... Merde. À chaque fois, je me trompe de touche pour faire une roulade. Merde, je voulais pas match. Je pense pas que la promo sera aussi grande, mais... Ouais, non. Satisfaction guaranteed. J'ai réussi à choper quelqu'un avec la carte vierge. Ouais. Merci d'être occupé de ça pour moi. Je t'en prie, c'était pas trop compliqué. Tu es déjà allé dans l'app shop, Jackie? Non, c'est quoi? Bah, app comme appli, pas besoin de t'expliquer. C'est bon, ouais. Et shop pour boutique, donc visualise une boutique. Une boutique qui vend des applis, évidemment.
Merci Kara, c'est cool. Tu devrais y jeter un œil un jour. Enfin, personnellement, je déteste. Trop corporatiste pour moi. Mais ça peut être pratique, on sait jamais. Je regarderai ça alors. Et du coup, maintenant, je peux prééquiper Persévérance, c'est ça ? Incroyable. Son nom de famille, c'est Fiasco. J'ai pris aucune arme. No evil. Merde, j'aurais dû prendre le toast. Been delivered.
creux, j'ai pas été là pendant un petit moment. Ouais, yeah. J'espère que ça va toujours. On n'a pas beaucoup progressé, hein. T'inquiète pas, t'as pas raté grand chose. Oh, le vampire. Ça fait longtemps. Malédiction des vêtements pour femmes. Pendant 3 prochains combats, vous n'aurez pas de poche. C'est-à-dire pas de poche? Merde. Ok, ça veut dire une seule arme. Visite du propriétaire pour dire que notre ballon d'eau chaude est décédé. Donc vous allez vous faire remplacer? J'espère. Enfin, il va vous le remplacer surtout. Nice. Je vais faire raquer. Merde. Bon. Les chefs se sont barrés en congé sans donner de directive, du coup on m'accapare. Bon courage. C'est con, on pourrait penser, les chefs se sont barrés, les souris dansent, et au final, ça te fout dans la merde. Ouaf ouaf. Tu sais, Claire, parfois je me dis que tu dois être la personne la plus intelligente dans ce bureau, c'est vrai. Sympa, tu sais que je suis pas loin. Elle est jalouse, Éclair, ne l'écoute pas. Ouaf. Hé, la stagiaire, je peux te demander un service? Je suis contractuellement obligé de dire oui. Je fais des horaires de malade pour mettre au point ces fonctionnalités et j'ai pas eu le temps de sortir Éclair. Tu pourrais l'emmener faire un tour dans les donjons, juste quelques étages, ça devrait suffire pour qu'elle se défoule un peu. Tu sais que c'est hyper dangereux là-bas, hein? Je veux pas être responsable si un truc tourne mal. Éclair est la chienne la plus coriace au monde. Elle peut gérer tout ce que ton joint a dans le ventre. Elle pourrait même t'aider une fois là-dedans, qui sait. Le chien, je sais pas si on l'a du coup avec nous. Parce que j'ai vu tout à l'heure, on pouvait. Ah bah voilà, j'ai rien dit. Ah. Youpi.
Ah putain, ça va être la merde. Est-ce qu'au moins elle fait un truc? J'ai même pas l'impression. Ça sert pas à grand chose le chien. Ça m'en met tout l'air. Your back. Ouais, merci Cubicle. Bon, on va au moins arriver au deuxième étage, peut-être. Évidemment qu'eux, ils ont le waifu pilot. Remember to leave a rating. Le chien! Le chien, il est bien! Il est pas là le chien? Ah si. J'ai eu peur. Allez. Peut-être retourner un peu à Jablin.
as trop de mal, tu peux te rajouter des cœurs avec l'option accessibilité. On va voir. Oh les gobelins, ils m'avaient manqué. Ok, on va déjà arriver au niveau 2, c'est vraiment plus facile, donc le truc du chien, on va y arriver, hein. C'est sûr. Thank you for your business. La raquette de ping-pong. Y a pas un film de kung-fu où quelqu'un pète la gueule à un autre avec une raquette de ping-pong? Ça existe forcément. Un film hongkongais. Est-ce que j'ai des spécialistes HK dans mon chat? Thank you.
Super. Jacqueline. Has your back. Let's go pour le chien, c'est bon. On l'a amené au niveau 3. Let's go. On est libre, les amis. Un sandwich, s'il vous plaît. Satisfaction guaranteed. Oh.
Ah, c'est une Jab. Parce que la vraie marque de bagnole, c'est Saab. Du coup, là, c'est Jab pour Job. Nous, le chien, ben, on a terminé. Il fallait l'emmener au niveau au troisième étage de Job, d'une entreprise. Et on l'a fait. On est au troisième étage, là. Pardon, hein, le chien, mais on va pas te reprendre, là. Merde. Let's go! Oh oui! Ok. Quatrième niveau, c'est donc le boss. On va plus m'offrir ça. Hein. Bon. C'est pas idéal, mais c'est pas non plus abominable. Évidemment, on prend le giga gigot. Je me disais bien que j'avais vu une épée dedans. Le Nespresso horreur. D'acheter d'abord et parler ensuite. J'avoue, je suis bête. Let's go! Have a great day. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais c'est le premier boss du jeu quand même, il est pas très difficile. Je suis allé dans ce donjon là pour pouvoir faire avancer des trucs parce que c'était facile. Pfff.
Il est un peu dur quand t'as pas d'arbre, oui, c'est vrai. Alors, c'est de pire en pire, la batterie des nouveaux smartphones. Tu les perds de vue une seconde, ils sont déjà déchargés. Je te comprends tellement, des fois je me dis que je ferais presque mieux de les balancer à la tête des monstres quand ils sont foutus. Tu l'as Nespresso T. Eh, mais c'est pas une mauvaise idée ça. Avec des téléphones explosés. C'est un pote cet objet. Mais c'était quoi ce bruit? J'en sens rien moi. Sérieux? Tu es sourde ou quoi? Ça a fait ça toute la journée et toute la nuit. Un bruit de guitare insupportable et qui vient de quelque part en bas. Je ne savais même pas qu'il y avait d'autres bureaux en dessous de nous. Je suis à deux doigts de descendre et d'expliquer ma façon de penser à ce fichu guitariste. Non! Je veux dire, ne gaspille pas ton énergie, tapis. Je vais y aller moi-même. Oh, t'es la meilleure, Jay. Vaincre la rockstar géante chez Joblin. Ok. En plus, elle se plaint du bruit, c'est vraiment une meuf sympa. Hein. J'adore les sandwichs. J'adore les sandwichs. Je les adore tellement que parfois j'en mange alors que j'ai même pas faim. Ta nouvelle mission, ce sera de manger un sandwich alors que t'as plus faim. Juste pour voir ce que ça fait. J'ai l'impression que tes missions sont de moins en moins justifiées, Marie. Et toi, t'es la stagiaire ou bien c'est le mec ultra cool qui trouve des idées de missions géniales? Allez, hop, hop, hop. C'est l'heure du sandwich. Un mec qui dit à une meuf, allez, hop, 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 c'est l'heure du sandwich. Un peu envie de crever. Je ne vous le cache pas. Ah, j'ai eu de la chance, j'y pense, je sais pas pourquoi. Si j'y pense parce que je suis en stream. J'étais dans la merde avec mes sous là ce week-end. Et aujourd'hui, j'ai reçu le virement de Twitch, le petit virement de 47 euros. Ça a fait plaisir, il est tombé à pic. Voleurs. Ouais. Ouais, c'est des voleurs. Mais au moins, j'ai eu le virement avant les 50. Normalement, c'est à 50 balles qu'ils te font le virement. Ah, ils sont de marge. Hein. Et puis en plus, ça faisait un moment que j'avais pas été payé.
delivered. Returning to base. Et sinon, avec Zoé, on a commencé à regarder... On a bien regardé des vieilles saisons d'émissions. Et on a commencé à regarder une saison de Koh-Lanta passée. Et ça me fait d'autant plus rire parce que c'est la saison avec une meuf que je connais. Du coup, ça me fait trop bizarre de la voir, de l'entendre parler, de machin. C'est rigolo. Une meuf qui était au lycée avec moi et aujourd'hui elle a épousé un footballeur professionnel. Ils ont deux enfants ensemble et je suis très contente pour elle. Good for her. Et du coup ça m'a fait marrer, dans son portrait on voyait notre ville quoi. Non, ça zéro. J'ai mal au derrière. Regarde Braise, tout à fait moi. Personne n'a rien vu. Putain, j'ai du mal dans Winky. Ah putain, je suis pas allé voir les options d'accessibilité. Et oui, à chaque fois.
C'est dur, j'ai fini par m'ajouter des cœurs pour en finir. Bah, je pense que je vais faire la même. Hein. Vous allez voir, vendredi on va enfin commencer Aliens Ark Descent. Et vous allez voir que c'est aussi un jeu assez dur. Et vraiment on va jouer en mode facile, c'est un truc que je fais pas souvent. Hein. On va jouer en mode facile parce que sinon je vais jamais le finir en stream. Tout simplement. Je sais jamais quoi fait quoi et du coup j'active toujours les trucs. Petit ami conquis. Delivery for Jack Wally. Vous serez bloqué dans votre tête. C'est dur de savoir ce que ça veut dire. Waouh! Ok. Je m'y attendais pas trop. Et du coup, tu vois vraiment pas trop ce qui se passe autour de toi. Gerbotron de sang. Un peu.
Du coup, j'ai des réflexes de FPS. J'ai appuyé sur le stick pour courir plus vite. Cubes make everything better. J'avais peur que pendant les roulades, la caméra roule avec. Mais heureusement, non. Du coup, c'est un autre jeu, exactement. Ça va. En vrai, ça va. Hein. Ça pourrait être vraiment pire. Du coup, elle me paraît lente le perso maintenant. Has your back. Alors les petits potes, je crois que c'est la première fois qu'on va au niveau 3. Ah non, niveau 4. C'est le boss là. Merde. Oh merde, merde, merde. Je suis pas prête du tout. Oh merci, tu régales chacun. Bon, on a 3 cœurs.
Le démanticône. Oh la vache. C'est Andros. Que Smash, c'est Star Fox, c'est le méchant dans Star Fox. Une tête avec deux grosses mains. Oh, la musique est ouf. Pas loin du tout. Il n'y a pas les paramètres d'accessibilité. Où c'est? Oh, je suis par la stache. Alors. Ah, un cœur supplémentaire. On va en rajouter deux. On va augmenter un peu la durée. Non. Ah, la période d'invulnérabilité plus longue après avoir fait une roulade. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a juste pas. C'est le plus simple de tous, je trouve. Dommage que tu n'avais pas encore beaucoup de cœur. Tu n'avais plus beaucoup de cœur. En vrai, ouais, je sentais que j'aurais pu tenir un peu plus longtemps si j'avais eu un poil plus de cœur. Genre, j'aurais pu m'en sortir, je pense. Il n'avait pas l'air infaisable. Bon, donc je me suis rajouté deux cœurs et j'ai augmenté un peu l'invincibilité quand on roule. On va voir. Vas-y, faut recommencer du début. Merde contre le boss. C'est pas une vie, ça. Si, c'est pas malheureux de voir ça. J'ai l'impression que tu as eu un petit bug. Une des mains n'est pas tombée alors qu'elle avait plus de vie. Ah ouais? Je te cache pas que je faisais pas trop gaffe, j'étais un peu trop dans le truc de il faut taper ce qui est debout. Ça va être bien, ça, associable. Thank you.
Allez, je vais essayer de la battre. Parce qu'elle, en vrai, ce serait bien de l'avoir en girlfriend. Vous tapez plus fort mais vous gagnez moins d'argent. Ça va être une run sur le sous le signe des dégâts. Le coussin parce que ton date se passe mal. Putain ! Incroyable ! J'avais même pas compris. Jacqueline.
Dans les deux prochains combats, les ennemis ne réagiront pas à vos attaques. Allez. Je prends un... Ajouter des cœurs et c'est maintenant que le jeu te donne le plus de cœurs bonus. T'as remarqué aussi, hein? Your order has been delivered. Ah oui. C'est bon ça. Returning to base. C'est la même merde qu'avant. Hein. C'est ça, il faut du soin.
que j'ai pas de sous. 31 argent. Allez, chope-moi l'avocat de toast. Pas mal. Bonjour Zouzou! Alors pardon, j'ai pas pu voir le DM que tu viens de m'envoyer, je le regarderai après. Hein. J'espère que tu vas bien. Tout le monde dit bonjour à Zouzou dans le chat! Narcissisme banalisé, le démenticône. Oh, c'est fort. Oh, elle est forte l'épée. Oh, c'est pas une épée de merde. Crève pas, crève pas, crève pas. Oh là là, oh, je suis en train de lui mettre la branlée. Let's go, c'était si facile. Effectivement, bonne arme. Idiote, pourquoi tu pourris notre vibe comme ça, blob? De quelle vibe vous parlez d'abord? Celle où vos bureaux ressemblent à un mélange entre une boîte de nuit et un vide-grenier spécial bougie? Ou la vibe qui oblige tous vos employés à porter ces costumes ridicules? Personne n'oblige personne à rien. C'est juste fortement recommandé. Comme ça, ils peuvent s'exprimer. Blob blob. Une PNJ sans cervelle comme toi ne peut pas comprendre ça. Tu répètes simplement ce que la société te dicte. Tu as peut-être gagné ce combat, mais Winky Dink se bat pour un idéal blob. Noble blob. Et les idéaux ne peuvent être vaincus. Capital liquidé. Une façade pour masquer votre vrai visage augmente votre santé max de manière permanente. Allez. Évolution du stagiaire. A brillamment terminé le donjon. On vit dans une saucisse. C'est vrai. C'est une gigabella que j'ai internet pour les pubs mais pas pour les streams. Oh non. Bebou. Oh non. Comment ça va? Ah, j'ai oublié de faire mettre la voix. Comment ça va avec le donjon Jackie? Épuisant. Douloureux. Bref, comme d'habitude. J'ai votre machin maudit ou je ne sais quoi. Je sais même pas si je veux savoir ce qu'il fait celui-là. Seulement si tu aimes la productivité. Cette relique s'appelle le masque toxique. L'histoire raconte qu'à Winky Dink Inc., les comportements inappropriés et les violations du règlement étaient légion, et que le moral des employés était en chute libre. Mais après la création de ce masque arcanique, les plaintes au RH ont immédiatement chuté de 100%. On dit que son regard troublant a encouragé les employés à adopter un comportement irréprochable. Rien chez ces démons ne ressemblait à un comportement irréprochable pour moi. Vous êtes sûr que rien d'autre ne peut expliquer l'arrêt des plaintes? Désolé, Jackie, je ne pouvais pas t'entendre. Sous la mélodie de la cohésion salariale! Comment tu te sens maintenant? Capable de donner le meilleur de toi-même? C'est quoi cette sensation? Je voudrais exprimer mes craintes sur ces reliques, mais les mots ne sortent pas. C'est comme si quelque chose m'en empêchait. Je me sens bien. Mieux que jamais. Je suis parfaitement à l'aise avec tout ça. Vous avez d'autres bidules magiques que je dois aller chercher? L'ambiance générale s'est tellement améliorée. C'est déjà tellement amélioré. Il reste encore une relique dans les tréfonds de la dernière start-up. Continue, Jackie, c'est du bon boulot. Nous sommes en passe de réaliser de grandes choses, je le sens. Ouh là là. Thank you.
go taper des crypto zombies. Ouais, on va faire ça. Oula. Je sens qu'on va se faire écraser la face. C'est une mine. Parce qu'il mine du coin. Il mine des cryptos. Si intelligent. Et du coup, c'est pas de l'argent qu'on ramasse, effectivement. C'est de la crypto. Ah, oh, ça me nique la tête déjà. Cœur humain. Oh, vas-y, vole un truc pour moi. Comment il est beau le jeu, je suis d'accord. C'est vraiment très joli. J'adore l'ambiance un peu pastel là. Ils sont mignonnes les chauves-souris. Elles font des petits bruits. Josh Patella, Sticks Coin Evangelist. There is totally enough for everyone. Partout suspect. Ça va faire des explosions ça. On s'est gagné des Sticks Coin, devenez un milliard dès maintenant. D'accord. Ah, il faut en ramasser un maximum. Fric. J'imagine que ça tire des sticks coins du coup. C'est un chompe. Ah putain, les oreilles des chauves-souris, c'est des prises de courant. Oh.
Thank you for your... C'est un écran comme ça que j'aimerais pour mon chat. De ce jeu, quoi. Incroyable. This is totally sustainable. Bras et la grosse arme. J'adore les wagonnets. Une passion wagonnée. J'aime bien le cœur cardiaque là. Le cœur cardiaque. Have a great day. Est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez. Tant pis quoi. Oh, je veux la flamme antique. On peut-être la garder pour un truc plus gros, par contre la flamme antique. Genre littéralement on a pu battre le boss grâce à elle avant. Les enfoirés, ils m'avaient coincé. Delivery for Jack Welling. Jack Welling. Bon. Niveau 3. Clairement, les cœurs en plus, ça m'aide.
clairement besoin des deux cœurs en plus. Yes, le cœur cardiaque. Merci Pluto. Le bruit de ce truc. Bah on est presque au boss, hein. Ça se tient bien ici. Cubes make everything better. Arrivé au boss du premier coup, GG, merci beaucoup. Clairement, j'ai moins galéré que sur le donjon précédent. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour le boss par contre. Allez, ça rote. Raquette égalisée. Carcasse stressée. Et c'est la victoire, en une seule run. Mais ça fait mal. Attends. Mais ça fait mal, sérieux. Même mes vieux os ont leurs limites.
Et d'abord, pourquoi toute cette violence? On a un max de Stixcoin ici. J'avais jamais entendu parler des Stixcoin avant de redescendre ici. Tout ce que je veux, c'est votre relique. T'es sûr que je peux pas t'acheter? Le STX est super précieux. Le cours va s'envoler d'une minute à l'autre, et bientôt on conduira tous des jabs sur la lune. J'ai du mal à y croire. Vous êtes resté là-dessous combien de temps déjà? Je pense que je vais juste prendre ce pourquoi je suis venu et ficher le camp, merci. Comme tu voudras, non-coiner. Tu vas t'en vouloir dans quelques années quand nous on se prélassera à Neo Hawaii et que tu seras et que tu feras toujours ton boulot pourri. Ouais, d'abord. Ouais. Capital, Likidei. Le Necronomicon, un ancien grimoire qui contient toutes les transactions. Et c'est la blockchain. Augmente votre santé max de manière permanente. Bonjour Erilion, bienvenue, ça va bien et toi? Le seum du gars. De ouf. C'est un crypto bro. Hein. Et toi ça va Erilion? J'ai le machin. Je ne veux plus voir un seul squelette de ma vie. Tu as l'air tout abattu, Jackie. Je pensais que tu étais ravi de m'aider à faire progresser ce bureau. On se demande pourquoi. Ça a peut-être quelque chose à voir avec le fait que je ne fais toujours pas le job pour lequel j'ai postulé, que je me fais tabasser tous les jours et que les reliques que je ramasse ne font qu'empirer la situation pour tout le monde ici. Tu as raison, Jackie. Le travail est très dur pour moi, et je ne t'ai pas montré le respect que je te dois en retour. Tu as toutes les raisons d'être en colère contre moi. Si ça peut te rassurer, je te promets que tout ça, c'est fini maintenant. La relique que tu viens de ramener était la dernière. Je peux maintenant mobiliser toute mon attention pour te trouver le boulot que tu mérites vraiment. Je sais que ça n'effacera pas tout ce que je t'ai fait traverser, mais je pourrais même parler de ton excellent travail à Ray et essayer de t'obtenir un poste payé ici chez Fizzle, si ça t'intéresse. Waouh, ce serait génial. Qu'est-ce que tu en dis? Et si on installait ce petit bonhomme? Ouais, d'accord. Voici le Necronomiconte. Il... Waouh. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Zut, c'était pas censé arriver si tôt. C'est le portail de la productivité. Il n'apparaît que pour les équipes les plus efficaces et répand ses ondes positives à travers tout le bureau. Surtout, n'y entre sous aucun prétexte. Vous pensez vraiment que je vais ignorer? Tu as ton propre bureau. Tu auras ton propre bureau. Ça marche. Ça fait aussi... Ça fait un moment que j'étais pas venu, mais que le travail, c'était pas simple. Ouais, j'imagine, ouais. Là, t'es en congé. Bah bravo, bravo le congé. J'espère que c'est pas pour un truc grave. J'espère que c'est pas un congé maladie. Faut surtout pas rentrer dans le truc. Et ben, fin du jeu. La balle. Oh là là. Ça régale. Vous pensez que je pourrais faire une pause, Marv? Je suis complètement claqué. Bien sûr, Jackie. Prends une pause quand tu veux, surtout. Ta santé mentale est très importante. Cela dit, ne te repose pas trop longtemps, sinon l'algorithme d'avis pourrait décider de te virer et de te remplacer par un stagiaire qui se repose un peu moins. Yo, Avi. Si tu contrôles tout le bureau, ça veut dire que tu écoutes tout ce que tout le monde dit? Évidemment. J'écoute attentivement les conversations de chacun et je les stocke dans ma mémoire. Ainsi, les données récoltées permettront d'améliorer leur expérience sur leur lieu de travail. Et où sont stockées toutes ces données?
Toutes mes données sont stockées dans mon cloud, un mystérieux royaume au-delà de la compréhension humaine. Ok. Non, juste un congé pour allonger le week-end et me reposer un peu. T'as bien raison. T'as bien raison. Est-ce qu'Éclair connaît des tours? Elle chante. Elle danse. Elle peut t'aider à payer tes impôts. Ouaf, ouaf. Je rigole. En général, elle reste là sans bouger. Des fois, elle fait des roulades, mais c'est rarement volontaire. Waouh, je suis la seule à avoir l'impression d'avoir bu trop de café. Je me sens pas vraiment différente. On dirait que plus je m'approche de la fontaine, plus je suis en forme. C'est sûrement tous ces ions positifs, ions négatifs. Ions. Vous pouvez me parler de Stixcoin, Ray? Et comment que je peux? Stixcoin a littéralement dominé le marché de la crypto-monnaie il y a quelques années. Son inventeur était un type super jeune, lui aussi. À peu près ton âge et celui de l'autre, là, qui tient le café. En quoi c'était si génial? Ça, c'est plutôt une question pour les gros geeks. Tout ce que je sais, c'est que les gens sont devenus raides dingues, passionnés comme les investisseurs. Et il y avait des rumeurs qui disaient que si tu en amassais suffisamment, ça pourrait te ramener d'entre les morts ou je sais pas quoi. Ouais, mais ça peut pas vraiment faire ça, hein, c'est juste une monnaie virtuelle. Le monde de l'investissement ne se préoccupe pas de ce qui est vraiment possible, petite. Pour ce qui... mais de ce qui pourrait l'être. Est-ce que Fizzle contient vraiment des fruits? D'aussi loin que les types qui ont l'argent soient concernés, la réponse est oui. Jeune fille, tu empestes le guano de chauve-souris et les chips au silicone. Ben, j'étais dans une mine remplie d'ordi géants, alors c'est logique. Allez, les chips au silicone, pardon. Ah, les souterrains universels, si beaux. Et pourtant, on a l'impression qu'ils pourraient nous avaler et nous consumer à tout moment. Exaltant, non ? J'ai pas franchement eu le temps d'admirer l'architecture, j'étais un peu occupé à dégommer des squelettes. Ah, tu es tombé sur un os, hein ? Je suis drôle ! Je crois que j'ai le fizzle qu'il te faut. Que penses-tu d'une bonne canette de espresso barbecue? Je vais plutôt tenter ma chance avec les squelettes, merci. Comme tu voudras. C'est pas trop mon truc, les applis de rencontre. Ni les rencontres en général. Je suis plus du genre à traîner dans les boutiques d'ordi à coller des mèmes en fond d'écran sur tous les modèles d'exposition. Comme mec. Oui, c'est une activité comme une autre. Juste un peu spéciale, peut-être. Ça serait drôle qu'il pose son pied sur le bord de l'écran, oui. J'aime beaucoup aussi. Ah ! Pourquoi tout le monde se remet à parler de crypto-monnaie tout d'un coup ? Je pensais que c'était fini tout ça. Je comprends même pas en quoi c'est différent des monnaies normales. Eh bien, tout un tas de gens vont te parler de toute la super technologie qui est en œuvre, mais c'est sûrement pas pour ce qui t'intéresse. C'est sûrement pas pour ce qui t'intéresse, et ce n'est même pas si super que ça. Tout ce que tu dois savoir, c'est que contrairement à une monnaie nationale où le gouvernement peut en imprimer à volonté et faire un peu ce qu'il veut avec, la création de crypto-monnaie est contrôlée par une sorte de code. Comme ça, rien ni personne ne peut faire de faux ou tricher sur qui en a combien. Je crois que c'est pas trop mon rayon tout ça. Ça veut dire que la monnaie est genre plus stable au final? À vrai dire, pas du tout. Eh bien mes amis, on va s'arrêter là pour cette semaine. Ce sera pour la prochaine fois le portail de la productivité de mes couilles. Alors, merci YouTube d'avoir suivi cette VOD jusqu'au bout. Je vous invite à revenir du coup la prochaine fois. Si vous avez aimé la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire
sous la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la vidéaste. Et on se voit à la prochaine vidéo. Et retenez, la crypto, c'est de la merde. Salut!